je vais faire des petits ramequins de légumes. Donc, je prends que les restes. Hein. J'ai des petites tomates, là, les champignons, je ne suis pas sûre de les utiliser, mais j'ai des pommes de terre, du fenouil, des petits bouts de poivron, courgettes, des tomates, des pommes de terre. Donc, je vais déjà commencer par couper tout ceci en petits bouts, que je puisse en mettre un peu partout. Donc, les courgettes, je coupe comme ça, peut-être même encore en moitié. Là, je vais faire des petites bandes. Là, je vais couper extra fin mon fenouil. Mes pommes de terre, je vais les couper également en petites tranches bien fines. Et les tomates, je les couperai en deux. Donc, je coupe tout ça et je vous montre comment je les pose. Voilà, donc j'ai préparé tous mes petits légumes. J'ai rajouté de l'oignon rouge et des échalotes coupées en morceaux. Donc, maintenant, j'ai pris du sel, du poivre et des herbes de Provence. Venir placer chaque fois dans mes plats le même genre de légumes. On travaille par couche, hein, comme si on faisait un gratin. Voilà. Et là, je vais venir mettre des petites pommes de terre sur le dessus. Voilà. Ils sont bien pleins. Je vais maintenant saler mettre quelques petites herbes. Je vais venir mettre des cuillères à soupe et pour terminer, avant de enfourner, je vais mettre un petit fond d'eau pour pas que ça brûle au fond. Voilà. Cette fois on est prêt à enfourner. C'est parti. Voilà donc le poisson et les accompagnements. Il n'y a plus qu'à dévorer. Bon appétit.